Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des moules WEPAM. Donc dans ce tuto, on va tester la flexibilité des moules. Hein, bien entendu, si on ne peut pas les plier un minimum, c'est pas la peine. On va tester également, voir si ça colle, enfin plein de petites choses comme ça. Et s'ils font surtout des bons marquages, c'est l'essentiel d'un moule. Donc les trois là m'ont été donnés par Créomax. Pour que je les teste pour vous, et celui-ci je l'ai eu dans ma box WEPAM. Donc on va tous les déballer. Donc déjà voilà, pour moi c'est un bon moule parce qu'on peut le plier, il n'y a aucun souci, il ne craque pas, vous pourrez un peu tirer dessus, ça ne bouge pas, voilà. Hop, ensuite un deuxième qui sont des petits nœuds. Alors, je ne vous ai pas montré celui-là, donc ce sont que des lettres, tout sympa. Donc c'est extrêmement flexible. Vous avez celui-ci, donc pareil, flexible, ne se casse pas. Il me semble que j'avais entendu parler de ces moules, mais en négatif. Mais je ne me souviens plus trop. Hop. Ensuite, vous avez le moule, qu'on va dire gourmand, où vous avez une tablette de chocolat, des macarons, et ce sera tout. Vous avez seulement différentes tailles de tablettes et différentes tailles de macarons. Donc je vais voir ce que ça donne comme moulage. Donc pareil, il n'y a aucun souci, ça ne casse pas, vous pouvez les tirer, il n'y a aucun souci. Hop. Et le dernier que j'ai eu dans la box, qui paraît un petit peu différent, ne serait-ce qu'à la couleur. Alors vous ne verrez peut-être pas. Mais celui-là est beaucoup plus blanc, ou alors c'est le fait que ça fait déjà un petit moment que je les ai, c'est peut-être possible. Donc là, pareil, hein, il ne bouge pas, vous pouvez tirer un petit peu, voilà, parfait. Donc je vais vous les montrer en beaucoup plus près, voilà. Donc vous avez la petite baguette de pain, une petite fleur, une petite religieuse, un chamallow, là ce sont des petites feuilles je pense, un croissant, une mini tablette au chocolat, et ça c'est une poupée russe, si je me souviens bien. Ensuite, celui-ci, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, tablette de chocolat et coque de macaron, vous avez vraiment toutes les tailles. Vous avez celui-ci qui propose des rubans qui sont juste trop mignons. Et là, par contre, il y a une autre petite chose, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est sûr, c'est un cœur, mais alors après, je ne sais pas du tout ce que ça représente. Hein. Hop. Et on a celui-ci qui propose des petites lettres. Et ça, je pense qu'on en a toujours besoin. Voilà, voilà pour les moules. Maintenant, on va les tester. Je vais tous les tester un par un. Et ben, on va tester tout de suite. Hop. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la WEPAM, en fait, c'est une pâte comme ça, qui sèche à l'air, qui sent l'amande. Et ça sent trop bon, franchement. Et il n'y a rien à dire sur cette pâte. Mis à part que... faut utiliser de la colle pour coller plusieurs morceaux, mais voilà. Donc j'ai pris un petit morceau. Alors j'ai attendu un tout petit peu pour pouvoir vous faire rapidement le tutoriel. Alors vous pouvez voir que ça se décolle très facilement. Donc voilà le but de plier un moule, admettons, pour que vous puissiez faire ça. Si le moule casse, ça ne sert strictement à rien. Hein. Petit rappel pour toutes les personnes qui disent que je martyrise les moules. Voilà. Et je vais reculer un peu ça. Et en attendant, eh ben, franchement, il est trop mignon. Donc voilà, ce que j'en pense, ben, franchement, ils sont vraiment pas trop mal. En général, ils sont vendus 7 ou 8 euros, ça dépend où, peut-être un peu moins à certains endroits. Mais franchement, ce sont des bons produits, vous pouvez vous lancer, là, il n'y a aucun souci. Et puis, ben voilà, j'ai tout dit, je pense, l'essentiel est là. Ce sont des bons produits, pas trop chers non plus, ça va, c'est abordable quand même, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Et puis, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire si vous n'avez pas aimé ces moules, pourquoi vous ne les avez pas aimés. Si vous les avez adorés, pourquoi également. Et je vous dis donc à très bientôt.